Bonjour, bonjour, peuple dédié, ça dépend de là où vous êtes. C'est le berger Cédric Wawa du Centre évangélique La Résurrection. Je vais partager quelque chose. J'avais partagé ça le dimanche. Et aujourd'hui encore, Dieu me demande de partager ça. Nous sommes déjà le matin ici aux États-Unis. C'est pour cela que je vous dis bonjour, hi, good morning. Donc, je vais partager. Dieu m'avait donné le message sur l'amour, les œuvres de l'amour. Et Dieu m'avait dit de lire Jean 21, versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Tu peux lire là où tu es, à la maison. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Jésus avait demandé à Pierre, 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 m'aimes-tu? Et Pierre avait répondu, tu le sais. Et il a insisté trois fois, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu, oui, tu le sais. Et Jésus avait dit, paie mes brebis. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? L'amour, c'est bien, mais l'amour sans les œuvres, c'est rien. Je ne peux pas dire que je t'aime. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime. Mais si je ne manifeste pas les œuvres de l'amour. C'est pour cela que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Cela veut dire, si tu m'aimes, travaille pour moi. Si tu m'aimes, fais quelque chose pour moi. Paie mes brebis. C'est les brebis de Jésus, mais il a demandé à Pierre de le perdre. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Aujourd'hui, plusieurs gens parlent de l'amour et plusieurs gens crient que nous aimons Jésus. Mais il y a peu de gens qui travaillent pour Jésus. Il y a peu de gens qui travaillent pour le bénéfice des royaumes. Et moi, j'étais étonné. Les gens travaillent pour leur intérêt. Ils cherchent la gloire. Ils cherchent parfois de l'argent. Ils cherchent parfois du succès. Mais nous ne cherchons pas l'intérêt de Dieu. Alors que Dieu, s'il nous donne la force aujourd'hui, s'il nous donne la capacité de parler aujourd'hui, d'abord c'est pour la gloire, comme la Bible me dit. Nous sommes créés par lui et pour lui. Et c'est pour cela qu'il avait dit à Pierre, si tu m'aimes, travaille pour moi, paie mes brebis. Oh, c'est pour cela que je voulais édifier quelqu'un. Dieu t'a donné aujourd'hui la force de se réveiller. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour Jésus? Mes bien-aimés, tous les jours que Dieu nous donne, c'est pour lui d'abord. Fais quelque chose pour Jésus. Prêche l'évangile. Oh, prêche l'évangile. Travaille pour Jésus. Partout où vous êtes, même au bureau, à la maison, à l'école, tu peux travailler pour Jésus. Le brebis de Jésus, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, mais tu peux faire aussi quelque chose de nouveau, tel que balayer l'église, évangéliser dans les riz et donner les hormones, c'est le travail de Jésus. Donc c'est un peu ça. L'amour sans les œuvres, c'est rien. Si tu aimes tes frères, si tu aimes tes sœurs, si tu aimes ton église, tu peux faire quelque chose pour Jésus. Non pas pour moi, non pas pour toi aussi, non pas pour la gloire et les succès, mais fais quelque chose pour l'honneur de Jésus. Aujourd'hui, réfléchis bien. Qu'est-ce que tu as fait déjà pour Jésus? Qu'est-ce que tu as fait? Merci. C'est le berger, c'est le Wawa. C'est un peu ça. Donc, on sera tout le temps ici sur Instagram pour partager les pensées que Dieu nous a données. Merci, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bye bye.